Ok. Donc on va être en live sur Facebook et en même temps j'enregistre aussi. Parce que je me dis voilà c'est en tout cas c'est le meilleur endroit là pour toucher du monde là à cette heure-là. Donc on va le faire direct en live et j'enregistre pour pouvoir remettre derrière sur YouTube. Donc j'ai partagé sur la page là, du championnat de France universitaire pour toucher. Donc ce que je disais, c'est bien ça, hein, Fabrice, tu me valides, c'est Bertrand qui démarre, bien ça. Il est où? Il est parti, Fabrice? Mais il est encore là. Il y a le micro qui est coupé. Ah, ça y est. Il est revenu. Oui, excuse-moi, je disais que c'est Bertrand le chef. Ok. Allez, ben c'est parti. Donc, bonsoir à tout le monde. Bienvenue donc, chez Osport TV. Ce soir, donc, on a une conférence pour parler de volet universitaire dans l'idée donc, d'aborder les formes de pratique dans le milieu universitaire au niveau des grandes écoles. Les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives. Donc, on a avec nous l'élite du volet universitaire français, monsieur Bertrand Gauthier, monsieur Samuel Lepuissan, monsieur Frédéric Asselos, monsieur Fabrice Pindavoine et madame Caroline Claire. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Bertrand pour nous présenter justement. Le volet universitaire. On avait déjà fait une conférence auparavant sur la formation et on a eu donc c'était Dominique Allard qui était intervenu pour nous parler de la formation justement d'entraîneur, la relation fédérale et universitaire, la relation qui est établie. En tout cas, il nous a donné un peu son point de vue par rapport à ce qui se passe notamment du côté de Montpellier. Et on s'est dit ça serait bien quand même qu'on fasse une conférence autour du volet universitaire avant la reprise, parce que c'est bientôt, je pense, à la rentrée, c'est ça pour vous. Voilà, donc c'est l'objectif, c'est parler donc de volet universitaire. Donc il y aura des questions. On est en live sur Facebook, donc si ceux qui nous suivent sur Facebook, faut pas hésiter à poser donc des questions si vous en avez. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Bertrand qui va se présenter et donc derrière nous dérouler un peu, nous présenter un peu le sport universitaire, le volet universitaire. Bonjour à tous. Et puis, merci effectivement de nous réunir, de pouvoir nous réunir sur cette plateforme que je découvre aussi, puisque je n'ai pas été présent sur les autres échanges. Donc, le volet universitaire, si on, en termes de nombre d'étudiants, on peut l'évaluer à, je dirais, entre 10 et autour de 15 000 étudiants qui pratiquent le volet universitaire sur 120 000 étudiants licenciés. Donc, ça représente une forte population, on dirait presque 10%. Donc, du coup, c'est une discipline qui compte beaucoup pour la FFSU. En termes de pratique, évidemment, on a le volet standard, classique, qu'on décline dans deux filières, la filière universitaire et la filière grande école. Et on a également le volet 4-4, qui est une filière, alors là, pour le coup, qui est assez récente,
mais qui fait venir bon nombre d'étudiants, puisqu'on a 72 équipes inscrites sur nos championnats de France. Ça représente donc 24 équipes en mixte, en 24 en féminine et 24 en masculin. Donc en fait, c'est la masse, puisque ces équipes de 4x4 sont issues des résultats des championnats d'académie. Et nous avons également comme autre filière la filière beach volley, avec aussi une filière garçon et une filière fille. On a eu le plaisir d'être accueillis à La Réunion il n'y a pas aussi longtemps. En termes de pratique sur l'international, puisqu'on est aussi sur le plan international, il y a eu des hauts et des bas. Là, on est plutôt dans une phase, on va dire, fructueuse en termes de relations avec la Fédération française de volley. Et donc, on arrive à avoir une équipe de France pour participer aux épreuves internationales. Alors, c'est vrai pour les Universiades. Les deux dernières Universiades, notamment Taipei en 2017, on avait une équipe masculine et une équipe féminine qui ont terminé respectivement 9e et 7e. Et puis, sur la dernière Universiade, celle de Naples, on a eu une équipe uniquement masculine, mais qui a failli monter sur le podium. Elle a terminé 4e. Donc, voilà. Et également, des championnats du monde universitaires de beach volley ont lieu tous les deux ans, voilà, au niveau international. Voilà le panorama général du volley universitaire. Et il faut savoir aussi que la FFSU, c'est une fédération multisport. Donc, c'est difficile de connaître exactement notre nombre de licenciés par rapport, puisqu'ils peuvent pratiquer d'autres sports. Et ce sont aussi des étudiants qui sont multisports. Ok, merci beaucoup pour la présentation générale. Je vais donner la parole, on va faire un petit tour de table si ça vous dit. Donc, donner la parole à Fabrice Pindavoine. Alors, le micro est coupé, Fabrice. Voilà, merci Chafik. Je pensais que tu allais être suffisamment galant pour donner la parole d'abord à Caroline, mais... J'ai regardé, je me suis dit elle n'était pas prête. Donc, c'est pour ça. J'ai regardé un petit écran, c'est pour ça. Mais effectivement, j'ai pensé en premier. Mais juste après, Caroline. Vas-y, Caroline. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, moi, j'arrive dans la formation, donc je suis plus là pour écouter que pour donner des informations. Voilà, je vais coordonner l'option volet au staff de Chambéry avec 80 étudiants et je suis plus là voilà, pour écouter, pour mettre au jour du volet universitaire plutôt que de donner des idées. J'aurai éventuellement quelques questions à la fin, mais voilà, j'ai pas d'informations moi-même à donner et je vais vous écouter. D'accord, merci beaucoup. Fabrice ? Donc, bonsoir et merci encore une fois de l'invitation. Même si on est peu nombreux, c'est vrai que le volleyball représente une grosse partie, une grosse pratique dans les universités. Mmh. On est bien d'accord, université, ce n'est pas uniquement les facultés des sciences du sport. Les secteurs et les services des universités, les services des activités physiques et sportives dans les universités développent énormément de pratiques de volleyball. Que ça soit, donc, comme Bertrand l'a évoqué, à viser un petit peu élitiste pour des équipes avec des joueurs et des joueuses de haut vol. Hein. On a des joueurs et des joueuses, des étudiants qui essayent de concilier leurs études et en même temps un parcours de sportif de haut niveau, notamment dans des équipes universitaires, mais aussi et surtout peut-être en termes de nombre, sur un volleyball avec un volleyball au pluriel en fait. Un volleyball qui se décline certes sur du 6 contre 6, mais aussi, comme Bertrand l'a évoqué, du 4 contre 4. Et il faut qu'on avance éventuellement sur d'autres propositions pour faire en sorte qu'un maximum d'étudiants, encore davantage, puissent goûter à cette activité qui, on est bien d'accord, est le plus beau sport qui existe au monde. Et donc, le décliner sur des pratiques mixtes, le décliner sur des pratiques extérieures, pas forcément le beach qui est vraiment spécifique de deux. C'est peut-être un espèce de grand écart qu'on essaie de faire entre, Bertrand l'a évoqué, des équipes internationales, une volonté véritablement de promouvoir aussi de l'élite
et en même temps de pouvoir envisager d'autres types de volleyball qui vont permettre à des étudiants de découvrir tous les bienfaits de l'activité. La particularité du sport universitaire, telle qu'elle est organisée en France notamment, et Bertrand l'a très bien rappelé, c'est que c'est une fédération qui est omnisport. Donc on a des étudiants qui, avec leur licence FFSU, font plusieurs activités. On a des contraintes. Alors on a, sur l'ensemble de la France, je pense qu'il n'y a pas forcément une seule association sportive qui est affiliée à la FFSU qui fonctionne de la même manière qu'une autre. En règle générale, les compétitions ont lieu le jeudi après-midi, quand on arrive encore à avoir de la disponibilité pour nos étudiants le jeudi après-midi, ce qui est un de nos combats. Sinon, on a aussi des pratiques qui ont lieu le soir, sur des créneaux qui sont spécifiques associations sportives et non pas des créneaux qui pourraient être proposés aux étudiants dans le cadre de leurs études. Et on essaie de fédérer, en effet, des équipes, des étudiants et des étudiantes autour d'un projet sportif, mais aussi de temps en temps d'un projet de formation. Comme Shafik l'a rappelé, on a mis en place déjà une première session où on a montré les liens qui existaient entre la pratique universitaire et les formations d'entraîneurs, notamment les formations d'arbitres. Donc, ça fait partie de nos chantiers. Ils sont importants, il y a encore plein de choses à faire, mais on a quand même quelques bases et on a des étudiants qui, en effet, peuvent, au fur et à mesure de leurs années d'études, vivre des expériences de joueurs, des expériences d'arbitres, des expériences d'entraîneurs. Et c'est comme ça qu'il faut, nous pensons qu'il faut promouvoir encore un peu plus cette pratique universitaire. J'ai peut-être été un peu long et je sais que M. Lepuissant a dû déjà noter mon temps de parole un peu trop long. Ok, merci beaucoup. Non, c'était parfait. J'ai donné la parole à Samuel Lepuissant, justement, se présenter et nous parler. C'est extrêmement difficile de passer derrière Fabrice, il est tellement exhaustif. Il connaît le dossier parfaitement, il est membre de la commission mixte nationale, donc il a une vision très, très globale. Et c'est vrai que le panorama qu'il nous donne est très précis sur les tenants des debouts, de la haute performance, comme les débutants qui doivent avoir une place aussi dans le volleyball universitaire, dans nos cours ou dans des compétitions adaptées à leur niveau. Moi, ce que je veux noter, c'est ces trois petites contraintes qui pèsent sur le système universitaire. C'est notamment la contrainte des emplois du temps. Voilà, oui. C'est une contrainte forte qu'on a dans l'université. C'est deux semestres de 12, 12 semaines plus 12 semaines, et il n'y a pas beaucoup d'espace libre. C'est-à-dire demander des absences pour les étudiants qui hésitent de plus en plus. Deuxième point pour moi, c'est l'élite, axée uniquement sur l'élite, c'est renforcer les cultures de ville. C'est-à-dire qu'on voit bien que les universités qui performent dans l'aspect le plus haut niveau du volleyball universitaire, c'est des villes qui ont une culture, des régions qui ont des cultures volées sans faille. Nous, l'enjeu, c'est aussi de développer une culture volée dans des villes où il n'y a pas de culture volée. Voilà, c'est aussi l'enjeu du sport universitaire. Et puis, troisième point, c'est ça commence à bien évoluer, c'est sortir de l'exclusivité du 6-6 comme vitrine. Je pense qu'on peut être aussi... on est à l'université, ce qui veut dire un petit peu innovation. Donc, aller sur des pratiques qui n'ont pas forcément une grande place ailleurs. Mais moi, mon dada, c'est le 4-4 mixte avec un format de jeu. On pourra en reparler si vous voulez, mais qui est aussi le format de jeu de la FFGT à Paris, le 4-4 mixte, qui est super intéressant. C'est-à-dire que si l'université ne s'empare pas de cette pratique-là, qui permet à des garçons et des filles de jouer ensemble, ça ne se fera pas beaucoup ailleurs. Ça ne se fera pas beaucoup d'ailleurs. Donc, on a la chance avec le volley de pouvoir pratiquer en mixte. Je crois qu'il faut qu'on avance là-dessus. On est un secteur d'innovation et il faut qu'on le prouve. Et dernière innovation, enfin, qui n'est pas une innovation, mais une ouverture pour, à mon avis, pour le sport universitaire, on passe à côté depuis des années du 3-3. Voilà, on ne s'intéresse pas au 3-3, alors que c'est une pratique extrêmement répandue, notamment l'été sur tous les tournois, que ce soit sur herbe ou sur sable. Et à la FFSU, on n'a pas d'événement qui tourne autour de cette pratique-là. Donc, j'aimerais bien que dans les années qui viennent, on essaie sur un événement, peut-être dans l'année, centré sur une ville de bord de mer, d'avoir sur un week-end ou sur un jeudi-vendredi
un petit peu comme les estivales, un petit peu comme Annecy, c'est-à-dire un gros événement ouvert à tous, avec différents niveaux de tableaux, maillots, crabe-maillots et tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on passe plus longtemps à côté du 3-3. Il se passe des choses assez merveilleuses. Ok, merci beaucoup. Parole à Frédéric Sellos. Oui, bonsoir à tous. Bon, bien sûr, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à mes collègues et amis. Néanmoins, pour illustrer ce que disait Sam, nous, Caen, on n'est pas une ville de volley fortement développée sur le plan fédéral. Et depuis que je suis arrivé au STAPS, et grâce aussi à l'animation de mes collègues, et grâce à différentes formes de pratiques universitaires, et entre autres le 4-4, du 4-4 au départ, eh bien, on a commencé à se qualifier pour des championnats de France, pour des joueurs de niveau pré-national, et des joueuses, hein, des joueurs et des joueuses, bien sûr. Et au départ, c'était du 4-4 démixté. Pour très rapidement, parce que chez nous, on avait deux associations sportives complètement différentes. Hein. Il y en avait une qui était liée au STAPS et une autre qui était plus généralement reliée à l'université en général. Et en fait, en 2017, on a eu une réunification de ces deux associations. Et du 4-4, on en est arrivé à une pratique 6-6 qui a permis de monter le niveau. Ça me pourra en témoigner puisqu'on se rencontre tous les ans. Et ce qu'on a pu constater dans cette idée universitaire, c'est que d'un volleyball un peu confidentiel à Caen, eh bien, on en est arrivé à un volleyball plus démocratisé et également qui a orienté nos jeunes étudiants et étudiantes vers des pratiques plus, on va dire, plus, pas des réalistes parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas qui nous a permis d'aller chercher de bons résultats sur du volley 6-6 par exemple. Et depuis 2015, eh bien, Caen, étonnamment, ramène des médailles, que ce soit en 4-4 ou en 6-6, tous les ans. Donc là, ce qui se passe, moi je ferai le parallèle un petit peu avec ce qui se passe avec l'éducation physique dans le secondaire, c'est qu'en universitaire, il y a des enjeux sur le fait qu'il faut qu'on développe des formes de pratiques universitaires, hein, on appelle ça des formes de pratiques scolaires dans le secondaire, et le 4-4 y contribue carrément. Bon, après, on peut parler, on a souvent des discussions et des débats sur les règlements à mettre en place, hein. Pour rejoindre ce que disait Sam, le 4-4 mixte est une pratique originale. Ça, je crois que ça fait 2 ans, ça aurait dû être la 3e année qu'elle aurait dû figurer au championnat de France, et puis certainement développer le 3-3 qui, comme tu le disais Sam, est une pratique quand même très très développée sur nos plages. Mais ce qui est sûr, c'est que je trouve, par rapport à ce que j'avais vécu quand j'étais étudiant, c'est que le volet universitaire cherche vraiment à développer la pratique pour tous. Et ce, jusqu'à... Moi, je n'aurais jamais rencontré les collègues de Montpellier ou Fabrice, etc., si on n'avait pas eu cet accès au championnat de France grâce à ces pratiques diversifiées. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on n'a pas encore de questions, donc... il y a juste, je me permets de reprendre par rapport au problème qui a été soulevé lors de la dernière conférence, justement sur, on parlait de la formation d'entraîneur, il y avait en tout cas un petit bilan qui a été fait sur le fait que il y a de moins en moins de profs spé volley à l'université, comme on a aussi donc au secondaire. Et comment voyez-vous de votre côté, est-ce que c'est quelque chose qui a été soulevé au niveau, justement, au niveau de la fédération, et quelle solution est envisagée au niveau fédération pour ça? Ah, je peux peut-être déjà commencer à répondre. Je vais faire une réponse un petit peu passe-partout, dans le sens où c'est malheureusement... Enfin, c'est pas spécifique au volleyball. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une personne qui va drainer, qui va mettre en place des dynamiques, il y aura des actions. Et à l'inverse, à partir du moment où sur certains sites, il n'y a plus de personnes
en place pour pouvoir dynamiser, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a des collègues qui se dépensent corps et âme en étant titulaire du poste pour pouvoir essayer d'avoir du monde, mais avec les contraintes des emplois du temps qu'a évoqué Samuel, ils n'arrivent pas à aligner différentes équipes et donc a fortiori de la formation ou autre. À l'inverse, on peut avoir des endroits où il y a des associations sportives universitaires avec des collègues qui ne sont pas titulaires, qui sont vacataires et qui arrivent quand même à dynamiser autant que faire se peut leur petit groupe d'étudiants. Mais on est bien d'accord que c'est une question de personne. Donc, à partir de là, la formation pourra être mise en place parce que le sport universitaire, il faut l'envisager aussi comme un maillage. C'est-à-dire que c'est un endroit où on arrive encore à faire du lien avec la fédé de volley ou d'autres. Sam a évoqué la FSGT tout à l'heure, ça peut être aussi une voie d'entrée intéressante. Et ce qui fait qu'à un moment donné, en agglomérant un petit peu et en faisant un petit peu de lien entre les différents clubs, les différentes fédés, etc., on arrivera à mettre en place des actions de formation réelles et pérennes. Et en plus, dans certaines universités, les actions de formation sont valorisées dans les maquettes des études. C'est-à-dire qu'un étudiant ou une étudiante qui se forme dans le cadre aussi de la pratique universitaire, ça va lui rapporter quelques crédits. Donc, il faut véritablement qu'il y ait de la place encore qui soit faite auprès du sport universitaire, pas pour le sport universitaire, pardon, mais là, on est tous d'accord, on est bien d'accord. C'est pas nous qu'il va falloir convaincre, c'est les responsables des universités. Et la place, malheureusement, du sport universitaire en France est relativement pas à sa juste valeur, et Bertrand pourra compléter, mais c'est extrêmement compliqué de pouvoir envisager ces actions de formation. Et sinon, juste avant, je n'ai pas entendu Gaëtan. J'aurais souhaité aussi qu'il puisse éventuellement se présenter. J'avoue ne pas le connaître et j'en suis désolé. Ah, Gaëtan, il est pas prof. Vas-y, tu vas te présenter, Gaëtan. Non, moi, je suis préparateur mental et j'assiste Chafik pour les réunions. Voilà. Très bien, c'est très, très bien. Voilà. On a Jérémy qui vient de nous rejoindre. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, neveu ou de Hervé Mazon. On a accueilli Hervé il n'y a pas très longtemps et justement, lui, il évoquait vraiment ce problème de créneau. D'entraînement où effectivement moi je me rappelle parce que je suis aussi un ancien universitaire et clairement c'est là où j'ai passé mes meilleures années c'est via le volley universitaire avec une grande dame du volleyball Nicole Bertolo à Paris 7 à l'université Paris 7 et qui nous a fait découvrir vraiment le volleyball et tout ce qu'il y a autour en termes de partage, en termes de projet, etc. Et effectivement, le jeudi, c'était, en tout cas, nous, à mon époque, à moi, c'était le gros rendez-vous le jeudi. Le jeudi après-midi, on avait champ libre, on n'avait pas de cours. Et là, a priori, donc, depuis maintenant quelques années, ça a beaucoup changé. Et c'est de plus en plus difficile d'avoir le fameux jeudi après-midi de libre. Est-ce que il n'y a pas un travail, je ne sais pas, hein, après... Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas un travail au niveau de la fédération. Il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça, parce que je sais que c'était balisé. Et effectivement, au niveau des cours, on arrivait à se libérer. On jouait beaucoup à Sarail. Je me rappelle, c'était blindé de joueurs et de joueuses à Port-Royal. Et tout le jeudi après-midi, on pouvait passer toute la journée. On voyait du volley de midi jusqu'à 22h, 23h quasiment. Et moi, je voudrais savoir un peu si Bertrand, par rapport à ce problème de… on a évoqué le problème de… si tu peux rajouter, effectivement, comme Fabrice a parlé, le problème par rapport à la formation, mais aussi ce problème de créneau, ça peut être intéressant. Je ne sais pas ce que vous… au niveau de la fédération, ce que vous en pensez. En tout cas, c'est quelque chose qui a été soulevé aussi dans les problématiques, ces créneaux. Ce sont des problématiques qui reviennent souvent parce qu'effectivement, jeudi après-midi est de plus en plus délaissé au profit de cours, hein, faut dire les choses. Et donc,
On ne court pas après la sacralisation de ce jeudi parce qu'on sait que ça ne va pas être possible. Donc, d'accord, on est plus sur une ouverture aux soirées, par exemple. Aux soirées, essentiellement, voire pour une tranche aussi d'étudiants qui restent le week-end, effectivement, sur le week-end aussi. Mais de rester sur le jeudi, ce n'est pas notre cheval de bataille. Non. D'accord. Donc voilà, alors après, en termes de volume horaire, nous, on s'en rend compte parce qu'effectivement, les entraînements sont plus difficiles. Il est aussi compliqué d'avoir ces étudiants, notamment des étudiants de haut niveau, le jeudi après-midi. Maintenant, bon, on essaye de proposer différentes filières et c'est aussi le 4x4. Alors, avec le 3x3, il y a peut-être aussi des opportunités à prendre. Je vois le ministère des sports essaie de nous entraîner vers les sports de sable. Donc, ça pourrait être une opportunité de développer le volet 3x3 au titre de sport de sable avec d'autres activités éventuellement. Et donc, ça, c'est vraiment ça peut être aussi un axe de travail, ça, pour nous, ouais, au niveau de la CMN et puis au niveau de certains collègues. Ça, il y a des possibilités certainement là-dessus. Voilà, on parle de. Ouais, ça a été. Là, il y a Vincent Duhagon qui réagit là sur Facebook, qui dit qu'effectivement, le 3-3 peut s'envisager également et surtout sur herbe, permettant d'alléger les problématiques logistiques liées à la pratique du beach. Voilà. Ça peut être une ouverture, un axe en tout cas. D'accord. Moi, si je peux donner deux, trois points sur les contraintes fortes, là, comme tu disais, Shafik, sur les difficultés de l'offre de volley-ball à l'université, il y a deux aspects. Il y a des aspects de recrutement, c'est-à-dire que les profs d'EPS, comme on est prof d'EPS dans le second degré, on est prof à l'université, il y en a moins. C'est-à-dire que dans les STAPS, on a tendance, des fois, quand un prof part en retraite, à mettre plutôt un enseignant-chercheur qui ne va pas du tout avoir une valence sportive. Donc, il n'enseignera pas et il y aura moins de volley-ball dans les maquettes et pour encadrer les équipes. Deuxième point, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer l'UNSS et sa structuration et la FFSU. C'est-à-dire que l'UNSS, le mercredi, il est banalisé, ça va jouer, c'est institutionnalisé. D'accord. Et puis, les profs du second degré, l'UNSS, ça rentre dans leur service. C'est-à-dire que c'est 3 heures forfaitaires et ça rentre dans leur service. À l'université, il faut quasiment se bagarrer pour pouvoir avoir des petites heures supplémentaires pour encadrer, se déplacer, partir 3 jours pour un championnat de France. Il y en a qui font ça un peu bénévolement. Donc, au bout d'un moment, il y a des collègues qui s'usent aussi, hein, parce que ce n'est pas forcément reconnu. Hein. Au niveau de l'université, on est toujours sur… ça reste du zigotage et on ne va pas mettre de moyens financiers pour cet aspect-là. Sauf exceptionnellement, puisqu'il y a une autonomie des universités. Il y a certains présidents d'université qui ont une grosse appétence pour le sport. Je pense à Bordeaux notamment, où ils font une association sportive monstrueuse, où il y a beaucoup d'argent, où ils investissent, ils font des remises de récompenses. Enfin, il y a une grosse balance. Et puis, il y a d'autres universités. Le président de l'université, il n'en a un peu rien à faire et on n'a pas de sous et on ne fonctionne pas. Voilà. Dernier point, c'était les contraintes liées au haut niveau dans les villes où il y a du bon niveau. C'est-à-dire que moi, je suis sur Rennes. En filles, on est sur de l'élite N2, N3. Chez les garçons, on est sur du pro, élite. Donc, moi, je récupère. En fait, je ne suis pas formateur. Hein. Sur l'élite, on peut crâner, mais nous, au SUAPS, on n'est pas des formateurs. On est des sélectionneurs, on recrute des gamins. Il faut que le projet les intéresse. Mais le problème, c'est qu'ils adorent. Ils adorent aller en phase finale, voilà, parce que c'est sympa, parce qu'ils retrouvent plein de volleyeurs de toute la France. Ça, c'est une vraie motivation. Mais par contre, pour un jeudi après-midi, aller à Caen, aller à Orléans, parce qu'ils ont cours et ainsi de suite, c'est plus compliqué parce qu'ils ont aussi entraînement. Et entre guillemets, le volume d'entraînement qu'ils ont, ça leur suffit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se qualifier et faire le moins de matchs possible. Donc, on a cette difficulté aussi à l'interne avec nos étudiants pour les motiver sur le projet haut niveau, alors qu'ils sont déjà, eux, à un entraînement par jour et puis du volley tous les week-ends. D'accord. Oui, pour rebondir sur ce que disait Sam, on n'a pas les mêmes contraintes que les villes avec du sport de haut niveau.
Néanmoins, au départ, moi, j'étais plutôt sur la démultiplication des rencontres, puisque justement, c'était un moyen de promouvoir le volley à Caen. Et peu à peu, je me suis très vite rendu compte que c'était de plus en plus difficile que les étudiants puissent se libérer le jeudi après-midi. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, c'est la croix et la bannière pour trouver des dates, multiplier les rencontres. Et j'en suis arrivé, sans avoir les contraintes du haut niveau, aux mêmes difficultés que les collègues qui sont dans des villes universitaires avec des pratiques de haut niveau, parce que tout simplement les emplois du temps, les examens sont organisés le jeudi après-midi ou le jeudi. Donc les étudiants, naturellement, même si on leur donne des dérogations, eh bien, préfèrent aller à leur examen, ce qui peut se comprendre, plutôt que de venir jouer au volley à Rennes, à Nantes ou ailleurs. Voilà. Alors après, je me mets à la place de Caroline qui arrive et qui entend essentiellement de peut-être des contraintes et des difficultés. Il y a un élément sur lequel Samuel l'a évoqué, hein, la libération du jeudi après-midi ne sera jamais effective et ça sera peut-être de pire en pire. Parce que il a rappelé, hein, c'est le président de l'université fait ce qu'il veut, et si à un moment donné, dans le cadre de maquettes, d'études qui sont de plus en plus souples, qui sont de plus en plus adaptées ou quoi que ce soit, il y a la nécessité de récupérer des créneaux, le jeudi après-midi, ça va être véritablement, c'est la pépite, hein, avoir la possibilité d'avoir le jeudi après-midi totalement libéré, ça commence à se compter sur les doigts d'une main. Néanmoins, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se dire qu'on a, d'un point de vue de l'encadrement, alors on ne va pas parler des joueurs d'élite, hein, Samuel l'a un petit peu évoqué, mais de la part de l'encadrement, de la part des mises en place des différents systèmes, on a une capacité de bricolage qui est quand même relativement fantastique, et on arrive quand même à mettre en place des équipes avec relativement peu d'entraînement, avec relativement peu de moments où on arrive à les croiser. Et je pense qu'il pourrait être très très intéressant justement de s'attarder sur la manière avec laquelle certaines d'entre nous arrivons à monter des équipes avec relativement peu de créneaux d'entraînement. Tu vois, si au contraire je me place d'un point de vue de l'entraîneur de club qui a ses gamins 2 à 3 fois par semaine, qui les voit le week-end, etc., c'est assez rigolo de, à un moment donné, de pouvoir envisager de faire la comparaison. Et je reprends au mot ce que Gaëtan évoquait concernant ce qu'il faisait. Il n'y a pas suffisamment d'utilisation en termes de travaux pratiques du sport universitaire. C'est-à-dire, le Gaëtan évoquait très rapidement la préparation mentale. Il n'y a pas assez de moments où on arrive à avoir sur nos équipes, et encore une fois, je ne parle pas forcément de 6-6 et d'élite, des intervenants ou tout du moins des applications de ce qui pourrait être fait dans certaines études. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des facultés où il y a des formations à la préparation mentale, à la préparation physique. Le sport universitaire est rarement utilisé comme un terrain d'application. Donc, je pense que dans la notion de maillage que j'évoquais tout à l'heure, ça pourrait être aussi intéressant qu'on multiplie. Alors, je sais que certains arrivent à le faire quasi systématiquement, mais que sur les équipes, que sur les groupes qui sont dans le sport universitaire, il y ait des essais de la part d'étudiants qui sont en formation pour pouvoir avoir un petit peu un petit laboratoire à eux, comme j'ai envie de dire. Ok. Alors, j'ai juste donc des remarques là sur Facebook par rapport à qui soulevait en termes de développement la problématique, mais si c'est un problème, je pense à un petit souci sur le manque de partenariat. Il évoquait en fait, alors c'est j'ai pas le nom, mais qui évoquait les partenariats qui se faisaient auparavant avec les clubs et certaines universités. Donc il citait l'exemple du PUC par exemple. Est-ce que ces partenariats existent toujours? Est-ce que tu parlais là de Bordeaux, je crois, et je crois à Montpellier, il y a aussi un partenariat qui est fait. Est-ce que c'est des choses qui peuvent, est-ce que c'est des pistes sur cette partie développement, faire en sorte que il y ait de plus en plus, en tout cas qu'il y ait une forte liaison entre le milieu fédéral et le milieu justement universitaire.
Est-ce que ça peut être une solution? Je ne sais pas si. Moi, je sais qu'effectivement, à mon époque, il y avait ces partenariats-là, notamment avec le PUC, où on avait énormément de joueurs du PUC qui intégraient la filière universitaire. Mais je ne sais pas si ça existe toujours dans les autres villes ou pas. Et déjà, même au PUC, je ne sais même pas si ça existe. Ouais. Moi, je pense que les anciennes appellations type REC, Rennes Étudiants ouais. Club, Montpellier Université Club, Paris Université Club, ça s'est révolu. Ouais. Il y a un lien structurel, charnel entre les deux. Par contre, il y a toutes les universités qui créent des conventions entre les centres de formation, les universités, d'accord. notamment sur l'attribution du titre de sportif de haut niveau universitaire. C'est-à-dire ce titre-là qui est attribué par une commission universitaire, hein, qui n'a rien à voir avec le sportif de haut niveau fédéral. C'est chaque université qui détermine des critères pour attribuer à un joueur ce statut de sportif de haut niveau universitaire. Ce qui lui permet d'avoir des allègements dans son emploi du temps, des facilités pour déplacer des cours, pour peut-être déplacer des examens. Voilà, c'est un statut universitaire donc qui crée une convention un petit peu entre le club et l'université. Ok, je reprends parce qu'il a modifié, il a donné son nom, c'est Monsieur Clément Marty, prof de volley à Toulouse, hein, qui faisait cette remarque-là au niveau des partenariats. Moi, j'avais une question et je pense que tu en parlais un peu, Fabrice, sur la valorisation du sport universitaire, en tout cas du volley universitaire. Est-ce que c'est possible de nous dire un peu comment, entre guillemets, le volleyeur, alors c'est forcément, on va dire, peut-être on va dire celui de haut niveau, mais comment il est valorisé, comment le sport universitaire est valorisé en France? Est-ce que ce n'est pas aussi une piste, justement? Tu me disais que c'est difficile, ou Samuel disait, Frédéric aussi, c'est difficile d'avoir les athlètes le jeudi après-midi parce qu'il peut faire aller s'entraîner. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes en termes de valorisation pour dire, voilà, bah, ok, tu viens jouer avec ton université et ça t'apporte tel point où je sais pas, c'est des pistes, c'est des questions que je me pose. Ouais. Alors, j'aimerais bien les avoir, ces réponses. J'aimerais bien les avoir. Il y a une hypocrisie manifeste. D'accord. Une hypocrisie manifeste. On va avoir des présidents d'université qui vont se faire les gorges chaudes parce que ils ont certains étudiants qui ont pu obtenir des titres et on va les mettre en tête de gondole. D'accord, je fais exprès d'employer des expressions très commerciales. Mais d'un autre côté, pour le développement, tous les jeudis après-midi, etc., de ce qui peut être mis en place, souvent, il n'y a pas grand-chose. Donc, pour valoriser le sport universitaire, et notamment le volley-ball universitaire, j'écoute toutes les propositions. Je n'ai peut-être pas suffisamment de recul encore, mais honnêtement, je ne sais pas. Quand tu entends certains responsables de formation y compris en STAPS, y compris en sciences et techniques des activités physiques sportives, où on se pose encore la question de la légitimité de la pratique universitaire, tu vois, là, on part sur des débats qui vont dépasser notre petite sphère, là, mais c'est extrêmement compliqué. Et même si on faisait tous les efforts possibles inimaginables, et on le fait tous à notre petite échelle, c'est pas pour autant que le gap aura été comblé. Hein. Oui, pour parler de revalorisation, ou plus simplement de valorisation, moi je suis en STAPS. Hein. Oui. J'ai utilisé un support très important qui est la spécialité volleyball au sein des STAPS. C'est ce qui a d'ailleurs permis de développer la pratique universitaire. Dans cette spécialité, je valorise vraiment l'engagement des étudiants dans les compétitions, qu'elles soient régionales ou nationales. Et ça passe également, on en a parlé la dernière fois avec Dominique Allard, par des conventions avec la Fédération française de volleyball. D'ailleurs, je crois que tu n'as jamais reçu mes documents, Shafik. Non. Mais il faudra que je réajuste. Mais cette convention permet entre autres, par exemple, à mes étudiants d'utiliser la spécialité volleyball du mardi et du jeudi après-midi. J'ai réussi à placer des créneaux le jeudi après-midi, ce qui me permet de faire un doublon entre la pratique du sport universitaire et la formation STAPS spécifique volleyball. Et cette valorisation, elle passe entre autres par une double validation, la licence STAPS, et naturellement, dans certains cas, la validation de diplômes fédéraux pour pouvoir entraîner. Alors, ce n'est pas une valorisation sur la compétition en elle-même,
Mais c'est une valorisation un peu détournée qui m'a permis, moi, depuis maintenant 10 ans que je suis au STAPS, de développer non seulement la spécialité volée au sein de l'Université de Caen. Hein. Je rappelle que c'est une pratique assez confidentielle dans notre région. Mmh. Et de l'autre côté, de développer la filière universitaire associative. Voilà, donc c'est des petites pistes, c'est pas grand-chose, hein, mais ce sont des choses qui, je dirais, vont promouvoir notre métier de prof de PS. Hein. Je rappelle que dans les STAPS, on reste centré d'abord, on devrait être encore centré l'action de crise, et le volet en fait totalement partie. Et c'est vrai qu'à l'orée de ce qui vient de se passer avec la crise sanitaire qui n'est toujours pas terminée, je ne sais pas où on va se situer, là Bertrand peut-être pourra nous en parler, mais on va se situer à la rentrée de 2020, ouais. Parce que là, je sais qu'on vient de mener une bataille, nous, à Caen, pour faire du présentiel en 2020 plutôt que du distanciel, de l'enseignement distanciel. On l'a gagné pour l'instant, mais c'est pas fait encore. Donc, quelle répercussions ça va avoir dans la pratique? Je crois qu'il y a vraiment une mobilisation de tous les acteurs profs de PS au sein du milieu universitaire pour pouvoir justement aller cette valorisation de notre métier en termes de pratique présentielle. Quoi. Et je ne sais pas si Samuel, tu voulais rajouter. Oui, parce que tu parlais moyen de valoriser l'étudiant ou l'étudiante volleyeuse. Ben, il y a ces deux processus, c'est-à-dire on le valorise à partir du moment où il a un niveau de contrainte dans ses entraînements qui lui permet d'avoir le statut. Ça, c'est une valorisation des étudiants très investis dans leur pratique fédérale. Ça, c'est une valorisation. On leur permet d'avoir des allègements. Le statut, donc, ça, c'est important. Et deuxième point, il y a une notion qui s'appelle le supplément au diplôme à l'université. Et donc, c'est au-delà des cours que tu as suivis et que tu as réussi, tes UE. Ouais. Tu peux aussi valoriser ce qu'on appelle l'engagement associatif, que ce soit dans le théâtre, peu importe. Et donc, tu peux noter sur ton sac à dos de diplôme, de compétences, un investissement au sein de l'association sportive et puis ton parcours universitaire de sportif. Si tu as eu des titres, tu peux les mettre et ce sera valorisé dans ton CV universitaire. En fait. Ça s'appelle le supplément au diplôme. D'accord. Et ça, c'est valable pour toutes les universités, comme pareil. Est-ce que… Oui, c'est ça ? Oui, oui, tout. D'accord. Et le projet, moi, la piste, c'est plus une piste, c'est parce que Frédéric l'a mis en place. C'est pas envisageable que ça soit porté sur le plan national par la fédération ? Ça l'est. C'était l'objet de la première réunion que tu nous avais fait le plaisir de mettre en place. Mmh. Il existe au sein… Alors, ça concerne les facultés des sciences du sport, mais pas uniquement. Hein, ça peut être beaucoup plus élargi. Il existe une convention entre la Fédération française de volley et justement ces formations STAPS pour justement faire en sorte de valoriser l'engagement dans des clubs et l'engagement en termes de formation d'entraîneurs. Donc la valorisation, elle peut se faire par ce biais-là. Elle peut se faire pour les quelques SUAPS qui arrivent encore à mettre en place des formations qualifiantes. Elle peut se faire aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que nous, sur l'île, on avait le cas de collègues qui arrivaient à faire en sorte que les élèves avaient des crédits supplémentaires en fonction de leur engagement, notamment sur le sport universitaire. Donc, il y a cet engagement qui peut se faire d'un point de vue très formel, supplément de diplôme, carte professionnelle supplémentaire, comme l'a évoqué Samuel. Mais ça, c'est un des barreaux de l'échelle qu'il faut continuer à construire. Ok. Bertrand, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Je prends une question sur Facebook. Si tu veux rajouter. J'entends pas. Par rapport à la valorisation, effectivement. Oui, j'ai bien. Effectivement, il y a l'autonomie des universités qui fait que chaque université fonctionne à sa manière et on n'a pas trop, nous, de pouvoir en la matière. Par contre, au titre de la fédération, on essaye de valoriser autant que peut les AS, les associations sportives. Alors, on a deux niveaux, je dirais. On a un challenge national qui permet aux associations sportives de marquer des points et d'être valorisées sur le plan national. Il y a un podium chaque année. Et c'est aussi pour ça que des grosses universités se mobilisent.
Fabrice a parlé de Bordeaux, mais il y a aussi Lyon. Ce sont de grosses usines qui font en sorte de gagner le maximum de titres pour apparaître sur les podiums. Et puis l'autre aspect de valorisation, c'est la participation aux championnats d'Europe universitaire. Et ça, c'est aussi un axe qui est important parce que ça mobilise les AS, ça mobilise les universités pour avoir une représentativité sur le plan international. Et il y a quelques années, on était peu développé à ce niveau-là. Et là, on sent vraiment un engouement autour de ce type de compétition. OK. Alors, j'essaie de reprendre la question, mais je reviens juste, je suis désolé, Bertrand. Je reviens là-dessus, sur cette partie de valorisation. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un problème. Il manque clairement du monde de pratiquants au niveau du volley. Et moi, la valorisation, ce n'est pas forcément en tout cas, pour les sportifs de haut niveau, mais plutôt pour vraiment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pratiquants le jeudi après-midi. Donc tu parlais de valorisation sur le plan sportif, c'est-à-dire effectivement participer à un événement international, etc. Est-ce que, à nouveau, on ne concentre pas, je me dirais, trop d'énergie sur un petit noyau, alors qu'il faudrait peut-être élargir un peu plus et essayer de trouver des pistes pour valoriser et faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui vienne pratiquer quoi, au niveau, dans les niveaux en dessous. Alors, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Hein. Les championnats de France, ça ne représente que 10% de nos effectifs. Alors, et notre futur projet que nous essayons de construire avec les élus concernerait plutôt la masse, c'est-à-dire les 90% des étudiants qui pratiquent en local. Et alors, c'est vrai qu'en volet, je pense que le volet 4x4, par exemple, participe à cet engouement puisque c'est une filière qui est avant tout académique puisque ça concerne les champions d'académie qui vont aller plus loin et je pense que là on est dans une bonne logique là par rapport à et une logique locale par rapport à la valorisation le beach volley c'est du haut niveau ça c'est sûr ça concerne plutôt l'élite le volley école. On a développé, notamment dans la filière des grandes écoles, une filière championnat de France de niveau 2. Et ce championnat de France de niveau 2 permet à des équipes, on va dire, d'un niveau moyen de participer à un événement national. Donc là aussi, on arrive à créer un certain engouement auprès de la masse quelque part, parce que le championnat de France école de niveau 2, c'est un niveau relativement faible sans être péjoratif. D'accord. Il y a une question encore pour toi, Bertrand, de la part de Clément là, sur Facebook par rapport à ce problème du jeudi. Donc, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, le choix de la libération du jeudi après-midi pour le sport ne relève-t-elle pas d'un choix de politique nationale via des décisions fortes de la Fédération française du sport universitaire plus que du champ des possibles du simple prof de PS en université ? Sinon, comment faire pour libérer auprès de l'établissement ? Est-ce que vous avez des pistes si effectivement la fédération n'a pas le pouvoir ou n'a pas les moyens ? Est-ce que vous avez des pistes pour arriver à pouvoir libérer ce jeudi après-midi ? Je crois qu'on a un peu tout dit par rapport à ça. C'est que d'un côté, il y a l'autonomie des universités. Oui. De l'autre côté, il y a des présidents d'universités qui sont très... qui ont eu une envie d'aller vers le sport parce que ça contribue au développement de l'étudiant dans sa personne. Et ça c'est vrai. Par contre, on a certains présidents d'université qui ne sont pas sur cet axe-là du tout. Et là, c'est plus compliqué à se faire entendre. Donc, lutter contre ça, ce n'est pas possible. Je crois que dans les textes, c'est écrit que la libération du jeudi, en termes de conseiller, c'est conseiller pour les universités de libérer le jeudi. D'accord. Donc, nous, à ce niveau-là, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est encore développer des créneaux en soirée à un autre moment. OK. Et je rajoute, alors, cette fois, je crois que c'était Samuel qui disait par rapport au mercredi après-midi, il y a Stéphane Pat qui réagit, qui dit qu'ils ont le même problème, c'est le même problème avec l'UNSS. En lycée, le mercredi après-midi, de plus en plus de cours, ils sont implantés. Entre midi et deux, a priori.
Ok. Même problème. Gaëtan, tu voulais réagir, c'est ça ? Gaëtan. Oui, je voulais réagir. Je voulais savoir si en universitaire, vous proposiez des projets en adéquation avec le volet. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué éventuellement de se rapprocher des facs de psycho pour que ça soit un laboratoire pour la préparation mentale. Mais on peut penser aussi à tous des étudiants qui font du management pour manager une équipe. On peut penser aussi à des étudiants qui font de l'informatique pour numériser. Parce que moi, j'ai été numéricien, donc pour numériser serait-ce qu'un ballon, voire des étudiants en physique, parce qu'un ballon, c'est une trajectoire qui se rapproche de la mécanique des fluides. Et en fait, faire des TP ou des projets tutorés en rapport avec le volet, qui n'est peut-être pas en rapport, et pour amener justement des étudiants, peut-être pas forcément dans la pratique du volet, mais au moins autour. Et à force, je pense qu'il y en a beaucoup qui feraient le pas de jouer pour… c'est une simple question, je veux savoir si ça existait, quoi. Alors, tu as tout à fait raison, Gaëtan. C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Le jour, alors ça existe. Il y a des endroits où ça marche très bien, où ça marche. Encore une fois, c'est une question de personne. C'est-à-dire que le jour où tu as un collègue qui est expert en préparation mentale et qui se dit bah tiens, ça pourrait être intéressant de travailler sous certaines conditions. Voilà, je mets en place un DU. Il y a la possibilité d'utiliser le sport universitaire comme un terreau, comme un. Voilà. Après. Encore une fois, on va peut-être sortir du cadre de la réunion là. Ça se saurait si en STAPS, par exemple, tout tournait autour, notamment du jeudi après-midi, tout tournait autour, notamment de la pratique physique. On a des collègues qui, en effet, ne comprennent pas quel pourrait être l'intérêt d'un étudiant, par exemple, en deuxième année, en troisième année, en management, non pas de manager l'équipe, mais de faire en sorte de développer l'association sportive. Oui, tout à fait. Il y a certains collègues qui sont dans une filière entraînement sportif qui ne conçoivent pas que leurs étudiants entraînent une équipe universitaire le jeudi après-midi ou tout du moins ne valorisent pas. Donc, tu vois, je suis persuadé que s'il y avait une réunion autour du basket universitaire, il y aurait les mêmes problématiques. Du foot universitaire, il y aurait les mêmes problématiques, sauf que il y a un volume un petit peu supérieur. Mais bien entendu, on appelle de nos voeux qu'il y ait des collaborations. Alors, on est bien d'accord, l'idée, c'est ça va pas déboucher sur une publication scientifique. C'est ça aussi la difficulté, tu vois. Oui. Mais bien entendu, nous, on est quelques-uns. Et avec Bertrand, on représente là la commission mixte nationale qui en son nom, veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a des gens de la Fédé. Il y a des gens qui sont enseignants, il y a des gens qui sont arbitres notamment. Ça serait notre rêve à un grand nombre que d'avoir un étudiant qui entraîne et qui s'est formé à entraîner, un étudiant qui a piloté le projet pour pouvoir aller à très long terme, etc. Un étudiant qui s'occupe notamment de la partie davantage préparation physique, etc. Et nous, on est dans les tribunes et on observe, tu vois. Ça serait magnifique. Parce que ça, c'est pareil. On pourrait se poser aussi la question en termes de valorisation. Est-ce que c'est intéressant que ce soit des entraîneurs profs qui encadrent l'équipe ? Tu vois, ça peut aller beaucoup plus loin. On l'a vu justement, juste je t'interromps, au niveau UNSS où ils ont changé. Maintenant, c'est effectivement un jeune qui entraîne et le prof qui seconde le jeune. Tout à fait. Alors, on essaie déjà. Alors, on ne va peut-être pas assez vite, hein, on est bien d'accord, mais on essaie déjà aussi de ne pas oublier l'arbitrage. Parce que souvent, l'arbitrage, c'est la huitième roue du carrosse, hein, pour être un peu caricatural. Donc, on essaie de forcer un peu le trait sur la formation à l'arbitrage, parce que, encore une fois, il y a des liens faciles aussi à faire avec la Fédération de volley. Mais utiliser le jeudi après-midi comme un terrain d'application, mille fois oui. Oui, mais pour essayer de répondre à la question de Gaëtan, Fabrice, tu es en STAPS, tu pourras peut-être acquiescer dans mon sens. Moi, je sais que j'utilise, une fois de plus, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ma spécialité volleyball. Et j'ai la chance aussi d'animer des conférences entraînement sportif dans la filière entraînement sportif.
Et de par mon implication dans le milieu fédéral, je suis en contact avec des coachs d'entreprise, des préparateurs mentaux. Et on l'a bien vu à travers toutes les conférences que Shafik a pu organiser, que la préparation mentale est quelque chose qui pénètre de plus en plus le volleyball, mais qui reste encore confidentiel et encore plus dans le domaine universitaire. Et là, j'ai vu pour la première fois cette année, pour répondre à ce que disait, pour illustrer ce que disait Fabrice, cette année, j'ai quasiment pas eu besoin de. J'ai des étudiants qui ont encadré les équipes universitaires, qui sont allées à Rennes, qui sont allées à Nantes, qui sont allées à Tours, parce que moi, j'avais plus le temps d'y aller, tout simplement parce que je suis tout seul et puis parce que j'avais cours. Mais néanmoins, ça a créé une dynamique, notamment à travers cette spécialité volée, et des étudiants s'impliquent maintenant dans les clubs. Par exemple, là, cette année, pour la deuxième fois, Arnaud Bessa, avec qui je travaille, qui est le représentant du CTS de la Normandie, eh bien, a fait un sondage auprès des clubs de Normandie pour savoir quel club était intéressé pour recevoir des étudiants pour encadrer des jeunes. Et donc, à partir de là, à travers cette implication universitaire dans différents domaines, que ce soit de la formation d'entraîneur, que ce soit de l'observation à travers le numérique, comment utiliser le numérique pour faire des statistiques, etc., la préparation mentale, eh bien, les étudiants commencent à se mettre à avoir tout l'intérêt d'utiliser le volleyball pour aller dans ces différentes perspectives. Et je vois la voie de la préparation mentale, par exemple, ils veulent tous être, je vois dans les entraînements sportifs chez nous, ils veulent 80% être coach. Alors, un coach au sens générique du terme est très, très développé. Et là, on a des terrains d'application qui deviennent de plus en plus importants. Alors, naturellement, comme le disait Fabrice, ça ne débouche pas encore sur des productions scientifiques. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Alors, c'est très confidentiel encore. Mais je pense que chacun dans nos universités, on va dans cette voie-là. Et petit à petit, on va réussir à développer ces différents aspects. Shafik, la valorisation du sport universitaire et du volleyball universitaire, elle passera aussi par tout ce que vit l'étudiant et l'étudiante à travers la pratique du volley. Donc, il rentre par le fait de pratiquer, mais en même temps, il va découvrir autre chose, il va vivre d'autres expériences. Et ce côté aussi un peu lien social, il est important. Et tu évoquais ce que tu as vécu à Paris il y a très, très, très peu d'années de ça. Il n'y a pas si longtemps que ça que tu étais étudiant, Shafik, je ne me trompe pas. Mais plus sérieusement, à chaque fois que tu questionnes les joueurs, les étudiants sur ce qu'ils ont vécu au niveau du sport universitaire, il y a toujours une petite paillette dans les yeux, c'est toujours des bons moments qui tournent autour du volleyball, mais pas que. Ils ont été visités à certains endroits, ils ont pu partager autre chose. On a eu la chance de partir à La Réunion, Cuba. Dans ce sens-là, La Réunion, le beach volley à La Réunion l'année dernière, moi je vois à Caen, a été une expérience formidable pour les étudiants qui sont allés. On parlait de management, ils se sont débrouillés parce que naturellement c'était difficile de financer pour eux, l'université. C'était difficile de trouver des moyens financiers pour pouvoir aller à La Réunion. Et ils ont monté une cagnotte, ils ont fait des. On a vu de nombreuses idées, effectivement. Ouais, franchement, et c'est les étudiants cette année l'ont répercuté auprès des autres et ont donné envie aux autres d'y aller aussi. À Réunion, mais pour avoir d'autres expériences. Ok, j'aimerais bien qu'on aborde un peu. Alors, j'ai juste une question, après on va aborder un peu les entraînements en termes de contenu parce que universitaire, ça m'intéresse aussi. Et je pense que ça intéresse aussi à Caroline, mais j'ai juste une question, alors, je ne sais pas, pour Bertrand ou Fabrice, de Clément, qui aurait dû participer à la conf directement, qui parle cette fois donc, des coûts. Alors, le très haut niveau avec les championnats d'Europe devient un réel choix pour les SUAPS au sein des universités, car il est très coûteux. Quand nous partons au championnat d'Europe pour 12 personnes, nous avons un coût avoisinant les 12 000 euros. Ce sont des sommes très importantes, difficile à justifier au vu des dépenses que l'on fait pour la masse que l'on touche. Environ 250 étudiants en volée sur mon université. N'avez-vous pas peur que ce coût aboutisse sur un abandon de cet investissement sur le haut niveau?
Disons qu'au niveau des coûts, je pense que Frédéric en a parlé tout à l'heure, parce que si tu arrives à mobiliser les étudiants à côté de la compétition sur des projets, recherche de partenaires, etc., tu as moyen aussi de limiter le coût par personne. Ouais. Et puis encore une fois, les universités ont les moyens certainement à leur niveau d'aider. Alors après, d'accord, il faut effectivement les convaincre, mais je pense qu'il y a des budgets conséquents certainement plus importants que de fédération. Alors, je connais pas justement. Donc, il n'y a pas d'aide quand une équipe se qualifie sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde, que ce soit beach ou il n'y a pas d'aide de la fédération par rapport à ça. Sur les championnats d'Europe, ouais. Sur les championnats d'Europe, l'aide est de 2 500 euros. Donc, d'accord. C'est une somme là, qui représente à peu près 20%. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas la totalité. Sur les championnats du monde, sur les universiades et championnats du monde, quand on inscrit une équipe, l'étudiant ne paye rien. Il est complètement pris en charge par la fédération. Donc, d'accord. Voilà. Donc, en général, il y a une aide pour les championnats d'Europe qui ne va pas à 100%, mais qui permet déjà de voir venir. Sam peut nous en dire un peu plus. Son équipe de beachers qui a gagné brillamment le titre l'année dernière à La Réunion et qui est qualifiée pour je ne sais plus où ni quoi exactement. Ça se passe comment justement ? Il y a un coup, donc tu es en train de le mettre en place, ou tu as déjà tout bouclé même, je pense. Moi, si on compare mon coup de championnat de France universitaire à La Réunion avec 10 étudiants, j'étais à 15 000 euros. Et par contre, quand tu pars avec 2 étudiants, une seule paire en championnat d'Europe, c'était en Serbie normalement cet été, là, je suis largement en dessous. Je suis à 3 500 euros. Et je reviens un petit peu sur ce que dit Bertrand. Une université, c'est une masse financière énorme, énorme. Et quand on parle de... avec certains responsables universitaires de 10 000 euros, c'est une goutte d'eau. Mais par contre, c'est des choix. C'est clair que c'est des choix. Et il y a des commissions au niveau de l'université qui reçoivent beaucoup d'argent. Et là-dedans, on n'est pas forcément dominant pour avoir les fonds. Quand on propose des projets, on est un petit peu, des fois, minoritaire. Donc, c'est compliqué. Mais la différence championnat d'Europe, championnat de France, pour moi, elle est inversement proportionnelle. J'ai pris cher pour les 15 000 euros que j'ai dû débourser pour aller à La Réunion. Mais c'était un plaisir. Hein, plaisir. Ok. Alors, j'ai une dernière remarque sur Facebook de Vincent Duragon. L'attractivité passe par l'adaptation des pratiques, mais également des formules sportives. Les contraintes et les modes de fonctionnement des étudiants évoluent. La formule championnat n'est peut-être pas la plus adaptée au niveau local. Indisponibilité le jeudi après-midi, manque de régularité dans l'engagement chez les étudiants. Les formules challenge par accumulation de points sur plusieurs tournois peuvent proposer une alternative à ces difficultés. Qu'en pensez-vous ? Nous, on fonctionne de plus en plus sur des idées de plateau. Voilà, on est un petit peu, on revient sur des niveaux M13, M11 où on rassemble sur une demi-journée. Tant qu'à libérer une demi-journée, on rencontre 2, peut-être 3 universités avec des matchs en 2-7 et pour diminuer le nombre de jeudis d'absence. Donc, on évolue aussi sur les modalités de pratique. On n'est plus sur une rencontre simple en 3-7 gagnants. Ouais. On essaie de rentabiliser, entre guillemets, les jeudis libérés pour les étudiants pour essayer d'optimiser ça. Mais la logique, elle est quand même de performance et de qualification pour un championnat de France pour jouer un titre. Voilà, ça je pense qu'il ne faut pas le lâcher non plus. Hein. On n'est pas là pour que faire du volet de la rencontre. On est aussi là pour performer, les étudiants ne viendraient pas si c'était que de l'échange, de rencontres comme ça. Il faut garder cette finalité-là. Pour confirmer ce que dit Sam, nous, je vois sur la conférence Ouest, on a plus de quotas de qualification pour les championnats de France. Et comme on a deux niveaux, un niveau 1, un niveau de championnat de France élite et un niveau championnat de France niveau 2, je vois mes étudiants, quand ils savent que depuis quelques années, on se qualifie au championnat de France, et qu'il y a ces plateaux, ils se mobilisent quand même pour pouvoir venir parce qu'ils savent que ça vaut le coup d'essayer de se qualifier parce qu'il y a une belle aventure à vivre derrière. Néanmoins, les dates sont de plus en plus difficiles à trouver. Alors, malgré ces formules. Bertrand pourra le dire bien mieux que moi. On sort d'une commission mixte il n'y a pas si longtemps que ça. Et
Et c'est toujours la même difficulté. On n'est pas forcément ravi tous à 100% de la formule sportive qui est proposée. Je ne parle même pas des difficultés qu'on va peut-être rencontrer avec la crise sanitaire. Bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais Fred a évoqué un terme qui était important, c'est la notion de conférence. C'est-à-dire que nos championnats sont organisés aussi. Alors, il y a une première phase un petit peu régionale, et puis après, les meilleurs d'une région affrontent d'autres d'une autre région. Donc, il y a un système de conférence qui n'est pas... Bertrand pourra l'expliquer bien mieux que moi tout à l'heure, mais qui va évoluer aussi. Ce système-là va évoluer. La notion de plateau, ça reste une solution qui va vraisemblablement être généralisée. Après, la difficulté, c'est de dire on fait un seul plateau et ceux qui sortent sont directement qualifiés et on ne les embête pas davantage. Et on a une logique très élitiste et on ne demande aux clubs de ne libérer leurs joueurs que sur un seul jeudi. Ou est-ce qu'au contraire, et la proposition de Vincent est intéressante en ce sens, où on essaie d'avoir plusieurs plateaux et sort l'équipe qui a réussi, et ça ne sera peut-être pas avec les meilleurs éléments, mais l'équipe qui a réussi à faire un maximum de plateaux avec un système de points, de participation. Ça peut être intéressant, avec des formules qui prennent en compte les temps de déplacement, avec des formules qui prennent en compte éventuellement une prolongation un tout petit peu plus tard, parce que des fois, on a des matchs qui vont peut-être démarrer très tôt, et puis à 17h, c'est plié, tu passes plus de temps sur la route qu'autre chose. Avec des formules en 2-7 gagnants, avec des formules où tu as besoin d'avoir une salle avec deux terrains pour pouvoir envisager de faire deux matchs en même temps. Il y a des choses encore à tester. Et encore une fois, Bertrand va pouvoir compléter ce que je dis, mais il est clair que la formule sportive, elle peut être revue pour pouvoir être encore plus attrayante. La difficulté qu'il y a aussi, c'est qu'on ne sait jamais avant le mois de septembre l'équipe qu'on va pouvoir éventuellement aligner. On a eu des périodes où on avait des équipes qui étaient qualifiées d'office au regard des performances des années précédentes, au regard des palmarès. Ce qui est un peu problématique aussi, parce que si jamais tu n'as plus du tout les mêmes étudiants, ça peut éventuellement être quelque chose qui peut fausser aussi un championnat. Donc, Bertrand, j'étais un peu long, pardon. Non, pas du tout. Mais j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, effectivement, pour faire le parallèle au thème précédent, c'est vrai que sur l'expérimentation scientifique, nous, on est plus éloignés parce que ce sont des initiatives locales. Par contre, sur l'expérimentation sportive, en termes de formule, là, on a les portes qui sont grandes ouvertes. Là, on fait un peu ce qu'on veut. Alors après, ça vient en opposition avec la stabilisation des formules, parce que les collègues recherchent aussi des formules stables dans le temps. Donc, c'est un peu un compromis, mais je vois par exemple le volley s'adapte très facilement avec des formules en 2-7 gagnants. On a des possibilités avec le volley, y compris au niveau des installations par rapport aux autres sports. Donc, puisqu'on peut utiliser trois terrains par gymnase, etc. Donc, pour le coup, on est très ouvert, mais on cherche aussi une stabilité. D'accord. Il y a Vincent qui précise. Alors, le challenge permet d'accumuler des points sur différentes étapes pour une phase finale régionale essentiellement axée pour le niveau local. Pour le haut niveau, la formule championnat et phase finale reste intéressante. Voilà, c'est son point de vue. Par contre, sur la partie locale, ça peut être effectivement, lui, il pense que ça peut être intéressant de proposer cette formule challenge. Et donc, ça fait moins de déplacements forcément et peut-être effectivement moins de mobilisation derrière. C'est souvent proposé sur le 4-4 notamment. C'est souvent proposé sur le 4-4 la formule de challenge. Ok. Moi, j'aimerais bien aborder, donc, il y a encore deux petits thèmes, notamment le thème du contenu d'entraînement. Savoir un peu, moi, j'aimerais bien savoir un peu comment ça se passe les entraînements concrètement dans le milieu universitaire, surtout avec cette problématique où vous avez des joueurs qui sont en club qui ne s'entraînent pas, et comment vous arrivez à faire avec ça et quel type de contenu vous proposez à vos joueurs et joueuses derrière.
Bah, écoute, c'est très simple, je peux répondre si tu veux. Une fois ouais, plus, vas-y, c'est déjà, il est très difficile de réunir tous les étudiants en même temps pour pouvoir ouais. proposer régulièrement des entraînements. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des dates de compétition, hein, deux ou trois dans l'année, je parle pour le 6-6 essentiellement, eh bien, j'arrive moi à les réunir sur le mardi après-midi sur le temps de la spécialité sportive, de la spécialité volée au niveau de l'UFR. Et on fait essentiellement de la cohésion d'équipe. On n'est pas du tout sur des aspects spécifiques, technico-tactiques, sachant que je regroupe en général des athlètes de différents clubs qui se retrouvent à l'université. L'important, alors ils sont déjà très contents d'être ensemble et de pouvoir jouer enfin ensemble et non pas forcément les uns contre les autres. Et donc, on fait essentiellement de manière très sporadique, hein, en fonction des... En fonction des dates de championnat, eh bien, beaucoup de contenu autour de la cohésion d'équipe. Voilà. Ça, c'est pour nous. Maintenant, peut-être qu'ailleurs, ça se passe autrement. Je sais pas. Samuel ? Non, moi, mon rôle, ma fonction, elle n'est pas du tout d'entraîner. Hein, d'accord. Parce que j'ai des étudiants qui viennent de différents clubs, ils s'entraînent déjà beaucoup. En fait, je suis coach, je gère, je sélectionne. Je suis plutôt Aimé Jacquet, quoi. Tu vois. J'essaie de recruter et c'est pas facile. Et puis je gère les déplacements, je gère le coaching, je gère les championnats de France où on est très actif. Mais dans l'entraînement spécifique des étudiants, Mais c'est pas ma fonction. Et alors donc au sein de ton université, tu as quand même des étudiants qui sont pas en club. Oui, oui. Alors là, je te parle des équipes élites, hein, du 6-6 élite, visées de titres nationaux. Après, sur le 4-4, qui est un niveau, c'est obligatoirement en dessous de N3, c'est que des prénats région en 4-4. Oui. Là, ils viennent dans nos cours et il y a des entraînements voilà, qui sont spécifiques. Mais quand je parle des élites, on est là pour gérer essayer d'avoir les meilleurs éléments et puis de les faire arriver le même jour pour une compétition. C'est déjà pas mal. Ok. Là, une des problématiques qu'on rencontre, et que rencontrent moins les collègues dans les autres sports co. Alors, ça n'est aucune véracité scientifique ce que je suis en train de dire, mais au fur et à mesure, on commence un petit peu à avoir de la bouteille. C'est la difficulté qu'a un joueur qui évolue pas forcément sur un secteur professionnel, mais aux portes, tu vois, du secteur professionnel, un joueur qui avait un bon niveau, d'essayer de le faire évoluer sur un autre poste, sur une autre fonction. Non, moi je suis central, je ne fais que jouer au centre. J'ai 20 ans, je n'évolue qu'en National 2 éventuellement, National 3, je ne ferai que du centre pendant toute ma carrière. Donc, c'est compliqué de lui faire comprendre qu'il pourrait éventuellement apporter quelque chose au collectif à un autre endroit, qu'il pourrait éventuellement avoir une place davantage dans l'équipe s'il évoluait sur un autre endroit. En même temps, il y a peu de temps où il va pouvoir justement tester autre chose, mais on a quand même beaucoup d'exemples où au final, des équipes qui arrivent à performer, à réussir au niveau universitaire, notamment sur le championnat de deuxième division, sont des équipes où on a des filles, des garçons qui jouent à des postes un petit peu différents. Donc ça, c'est un réel challenge que de se dire, voilà, tu vas pouvoir envisager de faire un petit peu autre chose que ce que tu as l'habitude de faire le soir dans ton club. Et c'est pareil en termes de valorisation, l'étudiant qui comprend qu'il y a tout intérêt qu'à envisager un petit peu de faire un petit peu autre chose, qui est disponible aussi pour pouvoir faire autre chose, il avance énormément et il apporte énormément de choses à tout le monde. Mais sinon, en effet, comme dit Sam, on crée du lien, on essaie de voir un petit peu les différentes circulations des joueurs les uns avec les autres. Et le schéma qu'on ne veut plus voir, enfin, plus du moins que je m'avance peut-être un peu trop que moi, je ne veux plus voir, par exemple, c'est la reproduction d'une équipe de club ou de centre de formation. Quel est l'intérêt de retrouver sur des compétitions le jeudi universitaire des gamins qui ont déjà l'habitude de jouer tout au long de la semaine et le week-end ensemble? J'en ai déjà eu dans mes propres équipes, mais pas en totalité, fort heureusement. Mais ça serait dommage qu'on en arrive uniquement à là pour notamment l'élite. Mais oui, c'est créer du lien. Donc, c'est pas simple. Hein. Est-ce qu'ils peuvent pas, ces jeunes-là, ils peuvent pas être source justement aussi de valorisation? Si on a des jeunes de club qui viennent du centre de formation, est-ce que ça va pas entraîner justement un engouement? Moi, je sais que quand on avait ça à Paris, à l'université Paris 7, on avait trois filles à l'époque, ils étaient à l'INSEP,
Trois filles et même des joueurs aussi de pro, quand ils étaient là, tout le monde était là. Tout le monde était là et tout le monde se donnait à fond avec son petit niveau. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi source de… Bien sûr, quand on arrive à amener quelqu'un qui n'a pas un niveau extraordinaire dans notre équipe 1 et qui arrive à aller faire des phases finales, qui ne fera pas avec son club, qui arrive à jouer avec des joueurs de bon niveau, c'est aussi ça le sport universitaire. C'est aussi ça cette richesse. Donc c'est, en effet, la valorisation, elle peut aussi se faire là pour l'étudiante et l'étudiant qui n'a pas l'habitude de jouer avec une passeuse de très très haute qualité. Oui, bien entendu, tu as raison. Ok. Moi, j'ai vu ce que vous avez là sur le 4-4. L'année où on l'a joué à 7, j'avais 4 jeunes. 4 ou à 7 Alors, on n'avait pas encore le droit de jouer à 7 en 4-4. Mais Samuel allait la faire, donc je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Mais maintenant, on peut jouer jusqu'à 6, avec 2 remplaçants, bien sûr. À l'époque, j'avais 3 joueuses, 4 joueuses de club de pré-national. Et naturellement, toujours avoir une cinquième. Et donc, les filles sont allées chercher une copine de Staps qui avait un bon niveau de motricité générale, qui était plutôt profil des badistes, et qui, du coup, s'est retrouvée à faire un championnat de France 4-4 à 7. Ce qui lui a permis, entre autres, ensuite de s'investir dans un club au niveau du volley. Pas un super niveau, mais. Voilà, c'est des petits exemples qu'on a comme ça, mais franchement, c'est vrai que et là, on a toute notre fonction de prof de PS, qui va dans le sens du développement de la pratique. Ok, Caroline, je viens te laisser un peu la parole. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Donc toi, t'es pareil. Est-ce que t'es ancienne joueuse de volley ou pas du tout? Ensuite poser. Alors, je me présente. J'étais dans la marmite quand j'étais jeune, c'est-à-dire que j'ai joué jusqu'à ce que je sois prof de PS en fait sur la région parisienne, à la passe. J'ai été au Crêpes de Wattignies sur mon année de première, donc sur l'équipe espoir, et puis après j'ai joué à Chevilly-Larue en N2, au PUC, c'était encore le PUC en National 1A à l'époque, et j'ai fini à Clamart sur une seule saison en N1, donc voilà, c'était ma vie d'avant, hein. Là je reprends par le Staps, mais j'ai un petit peu quitté les terrains. Mais j'ai enseigné dans le secondaire et je me suis énormément posé de questions. Je suis plutôt sur une optique sport pour tous, comme dirait Frédéric Sellot. Chambéry, c'est le terrain du hand, mais c'est pas le terrain du volley. On a peu de volleyeurs de haut niveau. Donc moi j'ai 3 questions qui portent plutôt. Alors si vous permettez, je vais commencer par la première, qui est en fait une question que se pose Michel Colombet, qui était à ma place l'année dernière, et qui s'étonne de la place accordée à la répétition technique dans les entraînements plutôt qu'à l'affrontement. C'est-à-dire qu'il a l'impression que quand il voit les équipes, je manque peut-être de précision, mais quand il voit les équipes s'entraîner, alors lesquelles, je ne sais pas, mais qui voit beaucoup de répétitions techniques et très peu de place à l'affrontement sur ces entraînements. Donc, je voulais savoir, vous, quelle était votre position de formateur et quelle option vous choisissez. Peut-être elle est différente en fonction du niveau de jeu. Je pose les 3 à la suite ou je sais que Frédéric a déjà répondu à la première tout à l'heure, en tout cas pour son cas. Mais c'est ça, Frédéric, parce que toi, par exemple, quand tu les regroupes, c'est direct, c'est la cohésion. Au niveau des STAPS, par rapport aux compétitions universitaires, notamment C6, effectivement, je fais le même travail que les collègues, sauf que j'arrive à dégager un créneau pour travailler sur la cohésion d'équipe. Mais pour aller plus précisément sur la question de Caro, moi, naturellement, enfin, nous sommes tous un peu dans la même optique, je pense, pour avoir pas mal échangé avec les collègues là-dessus. Une bonne formation technique n'est pas suffisante, enfin technico-tactique, on va dire, n'est pas suffisante si on n'a pas de l'affrontement en jeu, quoi. Donc, naturellement, moi, dans tout ce que je propose à mes étudiants, c'est de,
de construire une conception de l'intervention entre l'essence même du jeu, la logique interne de l'activité, hein, qui est quand même basée sur un affrontement, sur une gestion de rapport de force, et puis de voir à quel endroit on met en place la répétition et le renforcement technique, sachant que naturellement, ça dépend des conceptions que l'on a de l'apprentissage là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Merci. Caroline, ta question était spécifiquement sur le volley-ball universitaire, c'est-à-dire des entraînements que ton collègue aurait pu voir sur le volley universitaire, ou c'est en règle générale ? En règle générale, je pense. Donc, vaste débat, la place de la technique dans les apprentissages, vous avez 3 heures. En effet, j'aurais tendance, la technique ne sert à rien s'il n'y a pas une intention derrière. Donc, après, c'est extrêmement compliqué de porter un jugement sur une séance, une séquence, un moment dans une formation de personne, ou à un moment donné, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir répéter certaines habiletés. Après, en règle générale, tu le sais bien mieux que moi, si tu fais 3 heures de touche de balle à 10 doigts sur un mur, tu vas répéter, ça risque rarement d'être efficace quand tu vas te retrouver dans une situation un peu plus globale où il va y avoir de l'affrontement. Maintenant, l'opposition, elle peut être raisonnée, l'opposition, elle peut être pilotée par le prof, et comme dit Fred, c'est tout l'intérêt des différentes stratégies d'intervention que tu peux mettre en place, mais s'il n'y a pas d'opposition, c'est un petit peu compliqué de rentrer dans la logique que l'on souhaite dégager concernant le volleyball. Maintenant, encore une fois, c'est extrêmement compliqué de dire, tiens, oulala, il y a beaucoup de répétitions, ça se trouve, c'est la seule fois de l'année où à un moment donné, on lui demande de faire 10 fois de suite le même geste, histoire d'automatiser certaines petites choses, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Ok. En tout cas, juste, hier, on a reçu Vital Ainen, coach de la Pologne, et lui, c'est le jeu, beaucoup de... très, très haut niveau. Hein. Donc, beaucoup d'entraîneurs, en tout cas, qu'on a reçus, optent beaucoup sur le travail du collectif. Mais tu vois, ça, Shafik, je n'ai pas pu assister à cette intervention et je m'en veux beaucoup, mais tu verras que entendre le discours d'un pro qui dit bah voilà, moi, même avec mes joueurs talentueux qui ont déjà de l'expérience, etc., j'ai refait du jeu, tu verras que ça va prendre encore un petit peu de temps pour que ça descende, que ça ruisselle, pour reprendre l'expression de notre président, mais pour que ça descende dans l'imaginaire de l'entraîneur de base. La place de la répétition, malheureusement, elle est encore très, très, très prégnante. Si tu prends quelqu'un qui sort de formation, très vite, il va y avoir ce schéma-là. Donc, même si des entraîneurs de renom et avec des joueurs d'extraordinaire qualité le mettent en place, ce n'est pas pour autant que tu vas le remettre en place. En plus, le volleyball est une activité qui a très longtemps été très connotée comme techniciste. Si tu ne fais pas une touche de balle à 10 doigts, tu ne joueras pas. Si tu ne fais pas une belle manchette, tu ne joueras pas. Ce qui est complètement ridicule, même historiquement parlant, parce que si tu regardes un petit peu l'évolution historique du volleyball, il n'y a pas si longtemps de ça, on ne pouvait jouer qu'avec les mains. Maintenant, on peut jouer avec le pied, on peut jouer avec tout le corps. Ça a évolué. Avant, il n'y avait que 3 de contact de balle. Très rapidement, ils en ont mis un 4e au niveau Donc, l'aspect très techniciste dans l'activité volleyball est malheureusement, c'est mon sentiment personnel, très néfaste. Mais ça prend, ça a encore une place très prégnante. Je pense que, pareil, encore une fois, Sam a développé quelques outils. Il pourrait peut-être aussi donner son avis parce que je pense qu'il est assez tranché aussi. Si tu veux enchaîner, Samuel, ou on enchaîne par la deuxième question ? Non, on va enchaîner parce que c'est vrai que la question elle est monumentale. Ouais. Alors, elle n'est pas forcément dans le thème non plus. C'était pas forcément la thématique. Mais je dirais les deux, mon camarade, quoi. Forcément que le travail technique sans intention, sans opposition, il est vide. Et puis, la répétition, c'est indispensable. Hein. Si on a inventé des machines à lancer des balles, c'est bien qu'à un moment donné, il faut en bouffer. Quoi. Il faut en bouffer de la répétition hein, pour transformer les habiletés, la vitesse de réaction, la vitesse de lecture. C'est très important d'avoir du volume de jeu. Mais la notion d'opposition, elle est compliquée en volley parce que est-ce qu'on a tous les aspects de l'opposition quand on fait d'opposition à l'entraînement ?
Il y a de plus en plus, il y a eu des stratagèmes pour mettre au même niveau de pression les joueurs pendant les entraînements que pendant les matchs. Et on voit que ce n'est pas possible. La meilleure formation d'opposition, c'est le match officiel, avec l'enjeu, avec le risque, avec la gestion du couple, le risque et sécurité. Ça, c'est le vrai lieu, le creuset de formation. Et donc, les entraîneurs devraient s'appuyer et s'appuient sur ce qui se passe pendant le match réel, la vraie contrainte, pour travailler technique et tactique. Voilà, c'est, mais il y a l'imbrication des deux, forcément. Okay. Pour terminer peut-être sur la question, Chafik, de Caroline. Elle n'a pas fini, en fait. Hein. Elle a encore d'autres questions. Ouais, pour la première, elle est intéressante du point de vue aussi de ce que l'on vit en universitaire, dans la mesure où nous, on est quasiment axé sur le jeu, parce qu'on n'a pas non plus le temps de développer la machine à lancer les ballons, etc. Le temps matériel, on ne l'a pas. Et donc, le jeu reste une voie formidable de développement et d'apprentissage pour les étudiants. Là, je pense que je prêche des convaincus là-dessus. Caroline ? Deuxième question, donc, alors, je suis désolée si je ne suis pas dans le thème. Mais c'est pas grave, non, allez, pas de souci. J'aimerais avoir aussi votre position sur les aménagements du règlement possible, parce que ben voilà, dans le milieu secondaire, il n'y a aucune loi. Donc, on voit de tout, du rebond, du volet belge, du blocage, blocage en premier, blocage en deuxième. Il faudrait cadrer un petit peu là-dessus les méthodes pour les enseignants qui essayent plein de trucs sans avoir trop de cadre. Moi, je me suis fait ma propre idée. J'ai des filles qui ne touchent pas une bille. Hein. Enfin, j'ai été en polyvalence et des fois, c'est très, très compliqué. Donc, je voulais avoir juste votre position là-dessus parce que, par exemple, je sais qu'à la Greg avec Fred, on avait discuté avec Dominique Kremer qui, lui, était vraiment complètement contre tous les aménagements possibles du règlement. Et voilà, moi, je me suis fait mon idée, mais j'aurais aimé avoir la vôtre. Eh ben voilà, on a encore un grand débat. Mais on va se battre avec Fabrice. Ouais, non, on va tous se battre. Mais ça renvoie aussi un petit peu au premier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut envisager de quelle technique parle-t-on aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas là pour reproduire le geste non plus d'un champion. Déjà qu'on ne connaît pas ce geste, on ne sait pas comment ça se met en place. Les aménagements de règles, moi, je les trouve absolument importants, absolument incontournables. Encore une fois, historiquement parlant, le volley-ball évolue et rien ne te dit que dans 4, 5, 6, 10 ans, les prochaines modifications ne vont pas encore impacter encore un peu plus le jeu. Les formes adaptées, oui, bien sûr. Émile Rousseau a mis en place des protocoles en Belgique qui sont fantastiques pour le développement de la motricité et du pratiquant et du volleyeur un petit peu en devenir. Maintenant, si c'est du zapping et que tu passes de l'une à l'autre, que tu mets rebond par rebond, là, ça va être un peu plus compliqué. Ça renvoie à notre métier de prof de PS. Qu'est-ce que tu peux proposer à tes élèves pour répondre à un besoin ? On n'est pas là pour reproduire une pratique sociale de référence qui évolue, encore une fois, et qu'on ne peut pas mettre en exergue. Donc, les aménagements, oui. Après, on va pas rentrer dans le détail, mais entre rebond, blocage, blocage au niveau des genoux, blocage au niveau du front, c'est des choses déjà un petit peu différentes. Aménagement, oui. Sinon, certains élèves et certains étudiants STAPS, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui regardent, parce que les caractéristiques que tu viens d'évoquer, on peut les avoir aussi, même dans des étudiants qui font des études à base d'APS notamment. Si on n'aménage pas à tant soit peu, ils ne vivent pas de moments de volleyball. D'accord ? Donc, on est obligé, même dans ces proportions-là. Maintenant, si c'est pour faire du zapping et en avoir 15 différentes, ça va être un petit peu compliqué. Après, encore une fois, hein, la réaction de Dominique Kremer, tu vas l'avoir dans d'autres activités. Il y a certaines autres activités où il ne se pose pas la question de l'aménagement, où l'aménagement est de fait. Tu prends de la gymnastique, c'est très rare d'avoir un haut niveau en gymnastique avec les tapis, les aménagements qu'on peut proposer à
95% de la population qui va vivre de la gymnastique. Donc, aménager, oui, à mon humble échelle, hein, aménager, oui. Aménager pour faire tout et n'importe quoi, non. Il faut que ça corresponde véritablement à ce que tu veux voir apparaître comme motricité chez ton public. Et après, il faut tester et se dire, voilà, ça je garde, ça au contraire, je peux l'enlever. Mais encore une fois, je pense que les autres peuvent avoir des avis complètement différents. Et je m'exprime en mon nom propre et non pas en tant que CMN, hein, bien entendu. Oui, oui. On a très, très bien compris. Caroline, dernière question. Et après, donc, il y a une question pour Bertrand. Dernière question sur la mixité. Là, vous prenez le 4x4 mixte. Est-ce que vous pensez que les filles éprouvent vraiment du plaisir sur le 4x4? Alors moi, j'avais toujours, en tant que passeuse, pour moi, c'est génial, le 4x4 mixte, j'adore. Mais est-ce que les filles attaquantes avec la hauteur du filet, etc., si on a un autre rôle qu'à la passe, est-ce que c'est vraiment porteur pour que tout le monde s'amuse? Le 4x4 n'est pas aménagé, justement. Il n'y a pas un aménagement au niveau hauteur et au niveau... interdiction de bloquer les filles. Non, c'était pas ça. Samuel, c'était qui nous avait évoqué le 4x4 mixte? Allez, j'y vais. Ouais, c'est passionnant. C'est une vraie question. Lors des championnats de France universitaires, quand tu regardes le 4x4 masculin, féminin et mixte, tu vois sur le 4x4 mixte une stéréotype de genre sur les postes. Voilà, clairement, les filles, elles sont dans la fonction de continuité. Oui, elle réceptionne au centre, il y a une passeuse au centre, et les garçons, ils sont dans le rôle de la rupture. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, et parce qu'il n'y a pas de règle adaptée. Et moi, j'ai fait une proposition là, depuis 2 ans, il faut essayer d'avancer là-dessus, c'est-à-dire que rendre l'égalité d'accès à la marque et aussi l'égalité d'accès à la défense. Parce que tu imagines bien que des garçons aux ailes, avec un filet de 35 qui ont des ballons hauts, ils mettent des pétards et ce n'est pas défendable. Donc, avec 2 règles, ce qui est fait à la FFGT aussi, 2 règles, c'est des joueurs de prénat, niveau N3 prénat. Et donc, je considère que les garçons avec un filet de 35, le terrain, c'est 9 mètres sur 9. Hein. Mmh. On les met 3 mètres, on les contraint dans leur volonté de rupture permanente. Donc, on leur met en situation de gérer des ballons un peu compliqués. Et on met les filles en situation de défendre. C'est-à-dire que des garçons aux 3 mètres peuvent être défendus par des filles. Premier intérêt. Et deuxième règlement, c'est d'interdire le bloc des garçons sur les filles, parce que ça a lieu, c'est-à-dire qu'on annule toute velléité des filles à aller à la rupture. Donc le bloc sur les filles est interdit. On voit souvent des réceptions un petit peu, tu as déjà vécu ça sûrement, des réceptions qui vont un peu dans le filet, la pauvre fille qui est passée au centre, qui essaie de passer en face et elle se fait bâcher par le mec, c'est pas très intéressant. Donc 2 règles, les garçons en 3 mètres, ça permet de les contraindre aussi, les mecs, hein, ils arrêtent d'exprimer leur puissance comme ça, et puis les filles peuvent les défendre. Et puis, deuxième chose, on ne contrôle pas les filles, c'est-à-dire qu'on leur donne l'accès à la rupture aussi bien que comme les garçons. Très bien, merci. C'est adopté. Mais ce n'est pas ce qui est en place. Hein. C'est pas justement, c'était ça ma question. Non, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai de forcer les gars à attaquer aux 3 mètres, c'est excellent comme super formation. Par rapport à ce que propose Sam, dans le protocole de reprise du volleyball avec cette crise sanitaire, il est prévu de mettre une ligne à 2 mètres du filet pour éviter tout contact au filet. Et on rejoint un petit peu cette notion de rupture qui va permettre aux jeunes filles de mieux s'exprimer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bertrand, on arrive sur la dernière partie. J'aimerais bien qu'on parle justement de perspectives, savoir un peu les orientations politiques de la FFSU. Surtout, moi j'avais évoqué un peu avec Fabrice, j'avais parlé en disant il y a quand même un événement majeur qui arrive dans quelques années, ça va venir très très vite, c'est les Jeux Olympiques. Est-ce que justement par rapport à cet événement qui va arriver en 2024, est-ce qu'il y a quelque chose déjà dans les projets de développement du volleyball, je parle du volley, hein, je sais qu'il y a d'autres sports au niveau géré par la FFSU, en tout cas je parle du volley, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour permettre justement à ce qu'il y ait encore plus de pratiquants
continuer à développer justement la pratique. Voilà, donc il y a deux questions. Oui, alors sur les projets, dans un premier temps, c'est vrai que sur les projets, là, actuellement, on réécrit le projet et comme fédération, on s'oriente comme le sport comme étant un support de valeurs, d'une philosophie de vie, etc. Donc, pour être sur des axes environnementaux, sociétaux, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement, c'est d'avoir effectivement le sport au centre, mais avec une animation parallèle autour, ou périphérique, qui pourrait être axée sur, par exemple, sur un championnat de France, on pourrait effectivement avoir développé de la formation, mais aussi avoir des petits colloques, des petits séminaires, avoir des actions en faveur du développement durable, etc. Donc, on voudrait ne pas négliger cette partie-là, parce que ça contribue aussi au développement de la personne. Donc, ça, c'est le projet, on va dire, philosophique de la fédération, qui pourrait s'orienter dans ce sens. Et sinon, sur le plan sportif, on parlait tout à l'heure de différentes formules. On réfléchit actuellement, donc c'est pas du tout, il n'y a rien de finalisé, mais l'idée c'est effectivement pourquoi pas faire que des gens interviennent aussi vers nous pour nous dire ce qu'ils en pensent sur des ligues fermées au niveau de la formule sportive, c'est-à-dire qu'une ligue fermée ou un championnat fermé ou semi-fermé, alors c'est pas créer un cloisonnement, c'est justement permettre à des joueurs de haut niveau d'avoir leur championnat. Et là, on est un peu entre les deux. Les joueurs de haut niveau, on les a, on ne les a pas. Ou quand on les a, c'est à la fin du championnat pour faire gagner l'équipe et puis après aller plus loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à ces joueurs de haut niveau d'avoir un vrai championnat. On le fait déjà sur certains sports. On l'a fait en basket, on le fait en foot. Donc, peut-être avoir une réflexion là-dessus, sur ces ligues fermées. Et quant aux JO, on a une commission actuellement qui travaille à ce niveau-là, alors surtout évidemment sur Paris, donc on est aussi sur de la sensibilisation actuellement, sur des projets qui intègrent vraiment l'esprit universitaire. Je crois que ça va venir dans le temps, mais actuellement on n'y est pas trop. D'accord. Les autres intervenants, Fabrice, des choses à rajouter en termes de perspective ou Non, c'est un petit peu ce qu'on a déjà évoqué. Bon, je te l'avais dit, hein, à l'horizon 2024, j'ai pas forcément pas forcément de réflexion directement en lien avec les Jeux Olympiques. Par contre, si on arrive en effet à continuer à avoir un volleyball de haut vol et en même temps de développer encore davantage de formes adaptées, de formes de jeu, de formules sportives même, qui permettront au plus grand nombre de pouvoir goûter l'activité, on aura gagné. Donc oui à tout ce qui va être de l'ordre de la promotion, tant pour le haut niveau que pour la masse. On ne pourra pas faire un seul des domaines, on y perdra. Et on va passer à côté de plein de choses. Il y a d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués. Le volet santé pourrait pleinement rentrer aussi dans le cadre de ce qui peut se passer au niveau du sport universitaire. Je sais que ça se fait dans certains SUAPS et c'est très très bien. C'est peut-être une réflexion qu'on pourrait aussi avoir. Et on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais derrière Bertrand et aussi derrière moi, il y a d'autres personnes. Oui. Qui cogite régulièrement, il y a Michel Aquilian, je ne vais pas tous les citer parce que je vais faire des impairs, mais cette commission, elle se veut très, très hétérogène et je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup, les points de vue et les expériences sont différentes et on essaye de prendre en considération les différentes remarques au fur et à mesure, même si on n'arrivera jamais à une formule qui va satisfaire tout le monde, ça c'est sûr et certain. Ok, merci. Samuel, est-ce que de ton côté au niveau du SUAPS, non, rien à rajouter, Frédéric? Non, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que d'utiliser au maximum ce grand événement des JO 2024 pour effectivement amener nos pratiquants,
ne pas rater le rendez-vous. Quoi. Ouais. Voilà. Je rebondis là ce que tu viens de dire, Fabrice, parce qu'on a reçu Cyril Fischer de la Fédération française de volley sur le volley santé et qui a mis en place, en tout cas, qui travaille sur le projet volley santé. Avec Christelle Bernou, ouais. Est-ce que justement il y a déjà des choses, des réflexions avec eux pour faire en sorte que cette partie volley santé soit intégrée aussi au niveau universitaire ou pas encore? Alors, dans le cadre de la FFSU, je ne pense pas, Bertrand. D'accord. Tu me dis compte. Après, dans le cadre du volleyball, enfin du volleyball à l'université, tout est à construire dans certains endroits. Chez nous, on le met en place aussi tout doucement. Voilà, c'est un mouvement constant, si tu veux. J'ai trouvé vraiment très très intéressant ce qu'ils nous ont présenté. Je pense que ça peut être, j'ai vu Christelle tout à l'heure qui était connectée, donc peut-être qu'il prendra contact aussi. Ok, j'ai plus d'autres questions. Moi, j'ai fini. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir et à nouveau donc de continuer à apprendre. C'est clairement, en tout cas, un milieu qui a enrichi, comme je disais au début et comme tu as souligné, Fabrice, qui a enrichi énormément de monde. Et donc j'espère vraiment que le volleyball universitaire va continuer à se développer. Nous, ça nous a fait plaisir de vous recevoir à La Réunion, c'était vraiment un moment super sympa. Samuel, j'ai encore les vidéos, j'ai pas encore sorti tous les dossiers, j'ai encore des dossiers. Envoyez-nous s'il te plaît. Non, c'était vraiment, et d'ailleurs vraiment un coup de chapeau à toute l'équipe organisation à La Réunion, parce que on a passé vraiment un grand moment je pense effectivement tous ceux qui ont fait, Frédéric disait, hein, ceux qui ont pu vivre cette aventure, je pense qu'ils vont garder des souvenirs mémorables de ces championnats de France de beach. Donc moi c'était à nouveau vous remercier d'avoir répondu présent. J'espère que en tout cas la vidéo a été suivie sur Facebook, il y avait pas mal de monde, et je vais l'uploader sur YouTube dès la fin de soirée. Comme ça, on peut la retrouver assez facilement sur la chaîne CEO Sport TV. Voilà, donc si vous voulez revoir. Gaëtan a pris plein de notes. Avec Gaëtan aussi, on fonctionne aussi pour essayer de faire des petits comptes rendus. Donc, des comptes rendus de nos conférences qu'on va essayer de publier au fur et à mesure pour pouvoir retrouver un peu ce qui s'est dit et que les gens puissent savoir de quoi on a parlé de façon plus abordable. Merci beaucoup, et c'est extraordinaire tout ce que tu fais depuis 3 mois là pour le volleyball. Vraiment bravo. C'est vraiment un grand plaisir. Non mais là, ouais, franchement, Chafik, une nouvelle fois, bravo. Merci. Merci à vous d'avoir répondu présent. Très très bien, et un grand bravo. À très bientôt. Il faut continuer, Chafik. Hein. Oui, ah, il ouais, faut rien lâcher. Bravo. Merci encore. J'arrête le live. Merci sur... à toi. Okay. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Merci. Salut. À bientôt. Ouais, salut. Gaëtan, j'ai pas eu de nouvelles de Lacey là pour les Américains mercredi. Ouais. J'essaie de la contacter là pour voir si, parce que j'ai vu, elle avait fait un mail. Elle avait fait un mail à John Kessel, mais attends, je vais arrêter l'enregistrement.